Autorité américaine yon continue à encourager l'élection dans le pays dans un discours préenregistré. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken mandé gouvernement haïtien prend toute disposition pour organiser l'élection dans fin année 2021. À travers États-Unis, à travers ensemble de autorités diplomatiques, l'IOL continue à faire appel avec sa drillée organisation élection en Haïti dans fin année 2021. Pendant que yon climat sécurité qui établi dans le pays et qui c'est véritable principal préoccupation chaque monde causé insécurité ça, eh bien l'administration américaine n'a continué montrer que l'IPU s'enrélé un processus électoral qui est réalisé dans le pays pour faire année 2021. Selon la voix de l'Amérique, chef diplomatie américaine Anthony Blinken demandé avec un pays dans l'Amérique qui dit aux ses amis Haïti pour capable apporter si poyo avec au gouvernement haïtien pour réalisation élection en fin année 2021 si là. On a rappelé pendant que le gouvernement haïtien, l'État haïtien a mis prend toute disposition pour réalisation référendum non, pour date 27 juin qui a venu là. Mais quelques jours avant là, plusieurs communautés dans plusieurs pays là, dans la communauté internationale là, yo même, yo exprimé préoccupation face avec un processus à causer référendum non, que yo souhaité vraiment c'est un processus référendum qui inclusif à côté qu'a gagné. Sandrélé, tout secteur qui impliqué là-dedans vraiment, selon ça, ensemble, autorité, ça a même dit exactement concernant, ça qui, concernant l'organisation élection en deux pays, c'est ça, non, capable, Lila, eh bien, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lui-même, qui a encore montré que États-Unis favorable pour Sandrélé, réalisation élection en deux pays, Jean-William Sévère. Dans sa curation avec réaction sous texte, secrétaire d'État américain Blaise Peterson Sotler pour les amis auditeurs. Nous parlons avec président élan démocratique pour majorité Deus des honnêtes qui croit ces populations qui pour prendre des styles en main. Pas garder sous international là. On sait parlementaire dit le suspect américain qui a minimisé référendum pour essayer de sauver. Et élection en côté des 800 des honnêtes. Nous croyons que dans la logique de la mondialisation, dans la logique de gouvernance participative, il est important pour nous voyager, nous garder ce qui a passé dans le monde, et le bon, le monde voyager, garder ce qui a passé dans la caille. Mais la responsabilité de la gouvernance de notre pays, c'est nous-mêmes comme haïtiens pour ça. Moi, je comprends que pas gagné. Dans le contexte où on vivait pour l'indépendance, dans le contexte où on imposait l'humanité comme un bien que tout le monde doit protéger, nous ne pouvons pas gagner l'autre pays étranger qui a besoin de nous. Donc, pour Haïtien, toujours, en pile monde, même des dirigeants politiques, toujours fait erreur ça. Il a parlé des pays amis. Mais nous n'avons pas des pays amis. Nous gagnons des pays, nous gagnons des relations diplomatiques avec eux. Et dans la diplomatie, il n'y a que les intérêts. Tout le monde a défendu les intérêts. Pas comprendre que les États-Unis, c'est lui-même qui prend le côté, une solution pour eux, comme si solution ça va être mettre ou avancer. Solution, c'est toujours des solutions cosmétiques, à très court terme, et pas le mettre dans la tête chargée demain. Mais par contre, nous apprécions à ce que l'international commence à comprendre démarche peuple haïtien, commence à entendre cri peuple haïtien et comprendre ça na vivre là, c'est pas avec quel content, c'est pas avec la joie na vivre. C'est dans la désolation, c'est dans la peur, c'est dans le stress la plus total que nous-mêmes nous avons une situation que le régime ça allait pour nous. Moi-même, moi, j'attends à ce que gagne beaucoup plus de dévouement et gagne beaucoup plus d'actions concrètes du côté du département d'État américain qui toujours qu'aime Jovenel Moïse au pouvoir et du côté des congressmen. Nous souhaitons à ce que des machos aillent clair et que nous souhaitons à ce que c'est pas on douche y a dit nous qu'il y a fond bagaille en l'air, c'est pas on démarche de diversion côté y a fond bagaille et que y'a qu'on est y a supporté en bas ici en l'autre façon et que y a fond des machins en l'air pour la galerie. Nous besoin de prendre des décisions claires et notamment de manière catégorique pour nous dire qu'il n'est pas possible pour un référendum. Nous connaissons eux-mêmes seulement Jovenel Tandé, le patin des populations, le patin des crises secteurs, le patin des partis politiques. C'est pour nous dire très clairement il n'y a pas besoin de référendum, très clairement. Élection pas possible avec quatre démologues, il n'est pas possible avec insécurité, il n'est pas possible avec KIP illégal. Là. Il faut qu'il y ait une mise en place qui est planifiée par le peuple haïtien pour aller vers un retour à l'ordre constitutionnel. Parce que tout ça gagne comme constitution et loi dans la République, là, Jovenel Moïse passe tout en bas.
c'est déclaration président Union démocratique pour majorité qui c'est ancien député Marie Guadeus de Honnête gain pour économiste Michel Meuse qui dit président Jovenel Moïse pas qu'a fait élection à cause li pas même rivé faire référendum non responsable pas de amende population haïtienne non opposition et puis société civile continuer discuter pour joindre une alternative pour façon y a monté pouvoir à transition entre côté et professeur Michel Meuse lui-même qui était dans micro collaborateur nous Jean-Philippe Massé les États-Unis d'Amérique essentiellement, avec quelques éléments du corps groupe qui a poussé pour élection faite, mais il faut nous voir que pendant les deux derniers mois, il y a des changements significatifs dans la position, même eux-mêmes. Mm-hmm. Parce qu'au départ, c'est un appui inconditionnel à Jovenel Moïse. Là. Je veux dire, on va aller sous référendum constitutionnel. Ils reconnaissent que le référendum constitutionnel n'est pas participatif, mm-hmm. Okay? Que la population parle. Et il est évident que si Jovenel Moïse n'a pas fait référendum, il n'a pas fait élection non plus. Parce que la population n'a pas accepté que faire des élections complètement contrôlées par l'extrême droite et qui pourraient mener nous dans plus de problèmes, dans plus de conflits, dans plus de déchirements et dans plus de difficultés pour nous reconstruire le pays. Donc je dis à nous quoi que pas gain personne dans le pays qui a intérêt pour que Jovenel Moïse continue à avancer avec un agenda là. Et il faut que nous fassions plus tant des voix nous. Pour nous faire plus mobilisation pour être capable de réussir à bloquer l'agenda. Bon, pour Eba, pour nous dire, c'est que il y a un pile démarche qui fait pendant les derniers mois, il y a un pile débat qui fait, il y a un pile rencontre qui fait, il y a un pile discussion. Et nous-mêmes, nous, de façon très positive, pour la première fois, il y a un bon secteur politique qui réussit à jeter ensemble. Il y a un bon secteur politique qui n'est pas d'accord sur un bon bagage qui réussit à jeter ensemble. Parce que il y a un accord minimal, il y a un socle, c'est-à-dire de consensus, côté. Majorité, presque la totalité des forces vives de pays, ça, ils sont d'accord pour que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Ils sont d'accord que le mandat fini depuis le 7 février 2021. Ils sont d'accord que l'agenda référendum et élection, ce n'est pas un agenda qui est acceptable et ce n'est pas une route qui a mené nous dans un chemin intéressant pour le pays. Donc, quoi que là, on base d'accord qui est très très large. Maintenant, comment réussir à ce que Jovenel Moïse soit dans le pouvoir? Et comment construire la transition, c'est la discussion qu'a fait aujourd'hui. Hein. Et nous-mêmes, au niveau Racine Campeup, nous pensons qu'il faut que nous fassions le maximum d'efforts pour que Jovenel Moïse quitte le pouvoir le plus rapidement possible. Chaque jour, Jovenel Moïse passe sous pouvoir, c'est plus problème, c'est plus crise, c'est plus effondrement national, c'est plus honte. Et en même temps, il faut que nous soyons capables de construire une transition de rupture, une transition qui jetait les bases minimum de reconstruction nationale. 5h50. Nous avons toujours été ensemble avec Michel Messois. Ça, c'est une question référendum. Insécurité, référendum, élection fait partie d'un agenda catastrophe. PHTK pour payant d'après responsable Racine Campeup à Michel Meus qui demande population camper en quoi pour empêcher référendum de réaliser 27 juin cap vidi là Michel Meus a salé comportement certains citoyens dans le département nord-ouest là tant que Jean Rabel à Port de Paix qui boycotte activité référendum là côté Michel Meus a toujours dans le micro Jean-Philippe Massé. Bon, le pays a une conjoncture qui est extrêmement grave et difficile côté que population est chaque jour qu'elle sous biscuit, chaque jour on sort de la caisse, par contre, c'est pas très indemne. Côté que enlèvement multiplié, assassinat ciblé a multiplié dans la rue, assassinat contre des syndicalistes a multiplié. Donc, nous avons une situation qui est inacceptable et une situation qui t'a semblé connectée avec projet politique PHTK Jovenel Moïse Martelly pour être capable de réinstaller la dictature dans le pays. Aujourd'hui, ils ont annoncé une consultation référendaire pour le 27 juin et qui sont une consultation qui est faite dans la totale illégalité, qui est faite dans l'irrespect total de la souveraineté populaire, okay? Qui a été craché sous la Constitution 87, là, et côté qui a imposé un conseil électoral qui n'a pas ni pouvoir avec ni l'égalité et qui n'a pas aucune légitimité, qui n'a pas représenté aucun secteur dans le pays, hein, qui n'a pas gagné et acceptation cours de cassation. Et puis je dis, il y a avancé dans le projet ça. Donc nous-mêmes, nous pensons que son agenda catastrophe, son agenda qui pourra produire plus crise dans le pays, qui pourra permettre que l'économie effondre encore plus, qui pourra permettre qu'il y ait plus de monde qui gagne. Et nous devons faire tout le bagaille pour nous bloquer, poser sur ça, et pour ne pas entrer dans l'agenda catastrophe ça. Donc,
aider me camper en croix contre organisation référendum non, yon action illégale d'après DUS Déhonnête qui mandait peuple haïtien lever camper contre activité ça qui pral créer plus division dans société haïtienne non. Ancien député Marigo a rappelé peuple haïtien c'est avenir cap hypothéqué à travers causé référendum si là. Un côté DUS Déhonnête. Les questions référendaires. Nous croyons très fermement que nous comptons de manière catégorique toute démarche qui a faite pour changer la constitution par voie référendaire. Nous associons-nous à l'article 284-3 constitution, maman loi pays, qui interdit toute consultation pour faire sur constitution pour modifier l'île par voie référendaire. C'est dans ça même. Nous avons déjà aidé à contester CEP provisoire illégal, ça, je venais de mettre sous pied. Et nous campons nos côté décision la Cour de cassation qui n'a pas quitté au prêté serment. Nous campons nos côté décision la Cour des comptes qui n'a pas reconnaître l'autorité. Mais surtout, nous avons demandé la Cour des comptes pour faire droit à demande élan démocratique pour la majorité, faire justice à plein élan démocratique pour la majorité contre tout contre CEP ça. Mais aussi, qu'on est que nous-mêmes, nous avons nous cité au correctionnel. Tout membre CEPO, 9 membres, pour usurpation de titre, parce que n'y a pas de titre ni qualité pour utiliser bien l'État, parce que la Cour de cassation n'a pas quitté au prêté serment. Et processus pour te montrer, il était illégal de pas cadré à ce que dit la Constitution. N'a pas avancé avec information de journal, journal, méga matin, là, nous prallons dans le département nord-ouest pays, en côté. Eh bien, il y a divers étudiants, là, différents membres, dans l'opposition, dans le département nord-ouest, qui, eux-mêmes, hier, qui étaient créés en situation panique, dans le moment. Eh bien, il y a divers conseillers électoraux, qui, eux-mêmes, étaient réunis dans le département, qui t'apprêtent à réaliser en compte ce projet référendum sur nouvelle constitution, mais protestataires, qui ont même été envahi espace là, qui ont été rencontrés à ta fête là, et ils ont tapé dans sa pile la parole, puis ma boucle, quand tu as pouvoir en place là, et surtout, projet référendum à cas élection que pouvoir lui-même gagner dans l'agenda pour le réaliser là, et ils ont été profité tout dénoncer comportement membre conseil électoral provisoire, ça, ils ont dit qui contester qui lui-même n'a pas répondu avec ensemble de conditions, yo, et qui, on a dit, les a usurpé, qui n'est pas vraiment gagné titre comme conseil électoral parce que ils n'ont pas prêté serment devant un coup cassation selon ça et conseil électoral ça les mêmes qui fait qui monte là son crise et ses pouvoirs place à qui et ça c'est responsable crise ça pour des statuts fait qu'on est là condition pas réunie pour capable des élections d'un pays yo fait qu'on est pays à pas prend pas bouer comprimer ça comprimer référendum inconstitutionnel selon ça dit que président Jovenel Moïse voulait réaliser conseil électoral qui contestait ça yo doit retirer quoi rapide pressé dans conseil électoral provisoire opposant face avec président Jovenel Moïse fait qu'on est projet référendum dans ces projets référendum président Jovenel Moïse et demandé avec tout le monde dans la société à tout opposant même j'ai avec yo pour barrer la route avec un projet constitution avec un projet constitution question référendum ça surtout aucune réunion aucune rencontre pas réalisée dans le département qui puis depuis pas parler de causer référendum avec causer organisation élection d'un pays à ensemble de protestataires yo encore en intervention parler pour dire que conseil électoral provisoire ça même serment pas prêté devant la cour cassation n'a pas appelé ça c'est pour hier dans nord-ouest mais dans mardi 4 mai même KIP tout gain quelques membres qui étaient présents dans Jarabel côté qui t'a réalisé ça région rencontre qui était prévu faire dans Jarabel avec un notable qui dans ville sous question référendum constitution bien gain un avocat jeune avocat qui est Andalas Mertilus qui est lui-même sommé membre conseil électoral provisoire pour te rapidement on comprend encore vine barrer la route avec un rencontre ça et le témoigne pour capable quitter espace là quitter espace côté il a réalisé rencontre sur causé référendum là et li, dit la prend ensemble des démarches pour permettre que lui-même comme avocat ensemble avec l'autre avocat qui croit que causé référendum cap parler à la série référendum équipe en place c'est pas dans intérêt peuple haïtien pour yo bataille contre ça pendant le rappeler que article 284-3 dans constitution 87 là il interdit toute modification
qui cap fait dans la constitution par voie référendaire. C'est ça, nous capables, ça fait plaisir côté là. Mais rencontre cap fait bon côté qui m'a avec l'autre membre sous cause référendum constitution que pouvoir a pour réaliser dans le 27 juin là. Mais déjà un ensemble de citoyens, ensemble de protestataires qui allaient dans l'espace qui craser série rencontre là. N'a toujours été sous même dossier, ça, réaction tombée bien rapide. Nous étions des réactions ancien député DUIS, déhonnête sous situation, ça. Nous parlons avec secrétaire général à Viva Haïtien, bureau DG qui fait qu'on est mobilisation contre référendum lancé depuis la date 25 avril là. Côté citoyen dans diverses villes, bat Chalbari, d'ailleurs, autorité qui a fait promotion pour référendum là. Bureau ODG lancé un appel à bail, reste population pour continuer à faire même geste ça pour éviter président Jovenel Moïse Almeté avenir population en danger en côté bureau DJ qui était dans micro Josué Belamou. Guerre contre référendum n'a définitivement lancé dans le pays. À partir de 25 avril dans ville Saint-Marc, dans l'église catholique Saint-Marc là. Côté jeune yo te prend responsabilité yo pour te courir des directeurs général la police GDF là, Léon Sal pour te dire monsieur, nous fin fait kidnapper prêtre et puis jodi à Saint dans catholique devant même prêtre ça au venir pour tendre prêche yo. Hier 4 mai dans ville Jean Abel, côté 2-3 ti sanguinaire ti voyou, jeune moyen à font tentative pour yon est-ce yon ka fè moun Nord-Ouest. Boue question référendum criminel dictatorial Jovenel la, yon rejeté. Exemple sa yon, entre Saint-Marc et Jean Rabel, c'est des exemples vital pour tout respect yon. Quel que soit côté, moun sa yon passe ni nan fête patronale, ni côté yon pral fè promotion pour référendum criminel yon a assumé responsabilité yon. Mettez yon dehors avec fracas parce que constitution sa Jovenel besoin faire, c'est avenir nous tous. Les besoins mettent en danger pendant 25, 30, 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas une élection pour président pendant 5 ans. Vous avez dit après 5 ans, vous avez réparé. Mais pendant 40 ans, 50 ans, nous ne savons pas quelle qualité de gars ça capable de faire et pour nous quitter pour l'autre génération qui a venu. C'est ça que nous dit définitivement guerre contre référendum lancé. Et nous dit peuple, avec épée, démocratie qui n'a même pas de temps pour nous faire bataille, pour nous faire guerre contre. Référendum Jovenel Moïse. 6 heures. Le point d'actualité à la guerre, ancien sénateur département South PIA, Francisco de la Cruz, qui dénonce le phénomène d'insécurité, et spécialement kidnapping dans le cas Valet Terrain chaque jour plus. Situation insécurité a traduit irresponsabilité l'État, d'après Francisco de la Cruz, qui critique l'autorité concernée, il dit qu'il n'a jamais pris aucune décision pour contre Kareza Kabandio. Et on s'est parlementé à croire tout, gagnant complicité entre bandits à pouvoir, en place dans ça, qui a empêché citoyens de continuer à mobiliser contre président Jovenel Moïse. On écoute déclaration c'est sénateur Francisco de la Cruz dans micro Radio Méga. Alors, ma prend un document. Ok. Côté que n'a pas essayé des propositions, comment ne pas battre ce grand fléau qui est le kidnapping. Enfin, parce que le kidnapping a gagné différents aspects à temps et peut-être qui c'est probablement au niveau. Gouvernement, même l'autant il y a plein rien, il y a plus consacré ces politiques, mais bon, c'est faux. Naturellement, nous pouvons rejeter totalement le côté politique et également le côté économique, parce que nous qui fait vivre, nous pouvons profiter de la manger. Mais nous pouvons dire que c'est une volonté même manifeste, voyez, du gouvernement pour que pas gagner sécurité. Parce que regardez fédération des gangs, nous qui est-ce qui fait fédération des gangs, et nous pouvoir gang de gagner, pouvoir gang de gagner après évoquer le ministre Chayoplé, le directeur général Chayoplé, et au sens où effectivement les gens sont confortables dans le gouvernement. Et qui s'en est à dire action concrète qui fait pour côté gouvernement pour combattre l'insécurité. C'est au pareil parce que nous parlons en fait seulement, il y a plein de temps pour tout le monde. C'est comme si on connaît si tu as gagné l'insécurité dans le pays. Si on directement, on connaît qui ça qui fait. Comme si on connaît qui. Dakadou, à qui pointe du doigt. Mais maintenant, je ne veux dire, on va connaître à qui pointe du doigt. Seulement, on va pointer du doigt avec des responsables dans le gouvernement qui va prendre les responsabilités. Ou qui a approuvé nous, pour tout compte sorti. L'a dit, approuvé nous, son bagage, il fait pour capable de faire nous. Qui est-ce que ça, c'est là toi? Qu'on n'est pas capable de dire selon yo. Non, l'a dit yo. Je m'en parle, ma pointe du doigt exactement le gouvernement, mon frère. Ah, ok. Non, l'exécutif. Ah bon, mais mon cher, son bagage, c'est. Effectivement, président, carrément, vous êtes politique, mais son rôle pour le président aussi.
qui c'est le garant de la bonne marche du pays, ah ben, peut-être le point de mesure qui sont plus que déjà identifiés ou déjà compliqués, effectivement, pas dans la main. Nous avons toujours été dans le cadre d'insécurité, spécialement kidnapping, non, et l'ordre démocratique pour majorité au critique des dernières déclarations président Jovenel Moïse à Capoué ministre Claude Joseph Fay, elle qui voulait laguer phénomène kidnapping, non, sous d'opposition, coordonnateur et demain DUIS, déhonnête, quoi, c'est une stratégie pour pouvoir utiliser pour retirer projecteur sous tête, qui responsable kidnapping, non, ancien député avancé plusieurs thèses qui prouvaient accointance bandit à kidnapper, et à pouvoir en place. Cela a coûté des 8 CD honnêtes dans le micro Jean-Philippe Massé. Je pense que Claude Joseph, qu'on écrit, c'est le nom, il passe dans notre système aussi. Je pense que Claude Joseph, il comprend très bien les dispositions de la Constitution de 1987 amendée. Et de, par deux constats, ça me conclut que M. Claude Joseph, ils sont mauvais citoyens. C'est faute ça, et c'est manquement ça, qui fait la situation paysanne. Je vous dis que je préfère faire propagande. Je préfère courir loin responsabilité, je préfère parler et porter des discours faciles. Les discours faciles, c'est le discours qui cap convaincre si la plus faible. Comprendre que ce régime, les gagnants ont un paquet de mercenaires, des gens qui pas gagnent comme ancrage avec le territoire haïtien, mais qui viennent profiter. Profiter pour faire l'argent facile, profiter pour bien la corruption, profiter pour réparer tête, profiter pour réparer des amis et des alliés. Et nous croyons ça, c'est un mauvais comportement, c'est dette qui a mis sous génération qui a venu, et que nous autres avons aidé nous condamner fermement. Que ce soit les sorties de M. Jovenel Moïse, qui occupait illégalement par les nationales, ou les sorties de M. Claude Joseph, qui, entre parenthèses, dit ses premiers ministres, moi-même et mes collaborateurs nous condamnés et sortis ça. M. Jovenel Moïse, après avoir fini de discuter avec Gangyo, Fédération Gangyo, pour demander un petit campo sur la question de kidnapping. Et c'est vrai, monsieur, d'accord pour bah, on trêve. Et puis là, il t'a cherché un échappatoire, comme si pour tout kidnapping politique. 6h05. Organisation sociopolitique à Vive Haïti prend très au sérieux série déclaration président Jovenel Moïse a fait contre opposition dans Marion. Premier mai passé à là, l'amour militant politique Blanc Tatou et Latrier montré à clair. Chef d'État déterminé pour assassiner tout le monde en opposition d'après porte-parole organisation sociopolitique à Vive Haïti a Oni Timothée qui mandé peuple haïtien prend destin en main pour faire échec avec un référendum et puis élection qui prévoit organiser en deux pays. On écoute Oni Timothée dans micro collaborateur nous José Bella. Vive Haïti prend très au sérieux la déclaration Jovenel Moïse, président Gang fait dans Marion, jour qui était premier mai qui se passait là. Côté M. Fin parler, il fin attaquer l'opposition, règle attaquer dans 1er mai et dans dimanche 2 mai, nous jouons assassinat Blanc Tatou, qui c'est un deuxième ou bien un troisième monde qui est victime comme proche sénateur Yuri La Tortue et pourquoi pas Haïti en action. Et dans le même week-end, tout le monde constate. Disparition, il y a un policier qui est Gabi Jeffa, qui fait partie SPNH et qui a même un mandat derrière parce que le pouvoir, il dit tout le monde qui participait dans le SPNH, il a éliminé grain par grain. Et dans lundi, tout le monde a un kidnapping qui fait sous la rue, il y a un chauffeur moto, monde qui barre à gauche à droite, qui a fait tentative pour barrer la route avec kidnapper. Et bien tout le monde voit une machine boy qui a passé, qui a fait des gens là ou là. Et dans la même déclaration, Jovenel Moïse, président Gang, il fait qu'on est que le kidnapping, il y a des maîtres. Et le kidnapping, c'est des kidnappings politiques qui ont fait. Je dis effectivement, ça fait deuxième fois que Jovenel Moïse a fait vérité. Première vérité, le débat, c'est concernant l'amour de M. Dorval, pour que M. Dorval prenne responsabilité. Pour te dire, lui m'a donné, non moins que deux minutes, c'est eux-mêmes qui recevront la vidéo côté coup de notre fête là. A noter, tout le monde connaît ce pouvoir qui mettait Genève en famille et allié campé pour moi un monde. Effectivement, il y a un monde. Nous avons belle la Saline, Tokyo, Riel de Saline, pas épargné. Nous voyons encore comment il y a assassiné tout le monde qui fait partie de l'opposition.
pas suspendre des réactions sous question des pas ordonnés divers pour acteurs politiques à parler gain responsable avocat international Mario Joseph qui dénonce causé des pas ordonnés divers dirigeants politiques dans opposition à parler pour président Jovenel Moïse dans tête pouvoir homme de loi voyons pinga by acteurs politiques ça politique qui t'a gain intention dialoguer avec Jovenel Moïse défenseur droit moun di négocier avec équipe place ça c'est pas sans papier bataille militant yo en côté Mario Joseph en ami ko Peterson Blaise faut une qualité faut une droit Jovenel pas une qualité encore il trop tard Jovenel pas une qualité encore Joseph Claude et ni Jovenel yo pas une qualité pour négocier pour dire rien mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021 son homme qui prend pouvoir, lui dit la fait toute bagaille, la fait élection, la fait référendum, des bagailles illégales. Donc, tout le monde qui a le chita avec Jovenel, ça fait pas. A dénoncé comportement et M. Boulos, et qui lui-même a metté le gens pour le foirer et bataille peuple. Pour que, je ne veux dire, nous arrivons de nos côtés. Et génération ça, et qui a résisté, qui a pris un gaz, qui a pris un balle, et bien lui dit, faut que le système n'a changé. Et il n'y a pas qu'à replâtrer encore. Nous avons des groupes qui ont venu avec des petits plans, des petits cassés, des petits bêtes là, dans le poil. Donc, nous pas quoi. Côté nous arrivé là, mandat Jovenel fini, deux Jovenel au mur, c'est continuer à culer et qu'il y ait résistance. Départ ordonné, les départs ordonnés, on est content de lire nos périodes côté mandat, monsieur, t'es là. Mais si vous avez un problème, pas bon, non, papa entre nous, nos fatalistes. Jovenel prenait, parce qu'il dit, quel rété, parce qu'il est support mounio. Si pas mon bon, s'il le fait, on dit pas, il fait tant de défaits. Il fait tant de défaits, puis nous fait, et 86. Mais je ne veux dire à peuple là qu'on est ni tenant, ni aboutissant système, non, et bien on ne peut pas prendre un coup de code dans le taille.